Évidemment, vous êtes président de fédération, vous êtes un acteur de la discipline. Est-ce que vous comprenez d'abord leur désarroi? Moi, je dirais d'abord que les revendications sont à 90% légitimes. Je crois qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en train de souffrir du côté financier. Je vous citerai peut-être des exemples des associations du haut plateau qui sont en train de toucher des subventions très très minimes. Mais toujours est-il que je ne crois pas que c'est la meilleure solution de boycotter son championnat. Parce que ça ne travaille aucunement les athlètes ni les associations. Il n'y a pas de gagnant. Tout le monde est perdant dans ce genre de De boycott. situation. La preuve par image, vous avez programmé des journées de championnat, une journée de championnat le week-end.